Ça a l'air un poil. Vraiment un poil moins gros. Oh, putain. Alors, par contre, ça a un peu de mal à charger. Là, je pense que... Voilà, profonde caverne, ça doit être la suite. Là, je pense que... Il y a quelque chose. Voilà. Prenez garde Un à ma géant de colère! feu et puis quelques trolls. Là! C'est quelque chose de commun. Mais là, c'est la prochaine destination. Je vais quand même faire un tour d'horizon. Pour le moment, ça se passe. Il y a un coffre bien au milieu. Même deux coffres. Absolument pas du tout suspect et piégé. Ah, surtout pas piégé. Ah mais... Mais non, mais absolument pas. Ah, c'est une... Que croyez-vous? J'ai super bien joué la comédie, je m'en félicite. Voilà, et en plus, oh là là, il est piégé. Je n'ai juste que 19 points de vie. C'était des coffres pas du tout suspects, avec juste un putain de saphir. Un saphir de merde. Par contre, quand je vois ma vie qui monte à une vitesse, oh, je suis content. Là, je pense que je suis bien. J'arrive pas à voir dans quel type de salle je suis. Je vois juste que je m'en prends plein la gueule. Ah mais c'est le roi! Ah bon? Ah! Ah! Ah bon mais Ah si il parle. Combien? 300, mais il y a un loot. C'était donc un boss. Donc carré. Ah, j'ai pas cette... Ah, amulette, laissez passer. Ah, mais... Ça, oui, ça, je l'ai. S'il y a une amulette... Pas pour rien. Ah mais le roi... Ah non, le roi Scroc, c'est... Non, je suis en train de confondre. Je suis en train de confondre tout. C'est le mari de Bérulda. Oui, il y avait un piège, lol. Alors, c'est un anneau de résistance aux énergies négatives. Oh, je prends. J'ai quoi comme anneau, d'ailleurs? Rappelle-moi ce que ça fait cette merde. Intelligence plus 2. C'est vrai que ça m'est quand même utile. Pas se cacher que ça m'est quand même utile. En fait, là, il y a quoi? Y a rien en fait. Ouais, c'est juste un mur. C'est juste un escalier qui descend. Un truc qui descend et puis. Plus rien. Donc là, je dois être dans une espèce d'antichambre. Ah, il y a encore de la lave. Là, il y a un piège.
Voilà, c'était piégé, écoutez, je l'ai vu, je l'ai senti. Donc là, c'est de la lave. Et si j'ai raison, si mon hypothèse est la bonne, derrière cette porte, juste là-bas, je dois trouver Berulda, qui est gardé prisonnier par son mari Scrog, comme nous l'avons vu dans les livres. Je suis quasiment certain que c'est elle. Si le jeu va être un salaud, il va nous faire un twist de ouf, genre haha, en fait le dragon c'était pas le vrai méchant, c'était Berulda. Il y a un piège. Mais je l'ai absolument pas vu. Non, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que... Repère de cloche. Ah, par contre, je pense que je vais aller là avant d'aller là. Parce que ça trouve c'est Klaus qui a la sphère. Oh, idée de génie. Merde, 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 Kassos, 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 Kassos. C'est empoisonné. Putain, c'est piégé de partout. Tout est piégé. Putain, je l'ai vu. Il l'a vu, il a fait. C'est piégé, c'est bon. Alors là, il y a plein de coffres. Là, je sens qu'il y a au moins encore pas mal de pièges. Petit brassard d'armure. Ouf. Plus 5. Oh. Oh, c'est dextérité. Dextérité plus 1. 21. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon ça. Comment? Vous êtes équipé de deux objets ou plus? Oh. Merde. C'était comment l'autre objet? Attends, là j'ai plus 4. Et là j'ai plus 5. Ah franchement les bottes c'est bon. Ah walp. Donc alors attends on la refait. Hein. Pas bien sûr de l'avoir compris. Remets-moi mes bottes. Mes chaussures s'il te plaît. Ok. Attendez, j'ai... Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça, je les mets dans mon sac. Et les bracelets de dextérité aussi. Il n'y a plus de place, c'est ça. Te fiche pas de moi. Voilà, il y a de la place. Il va me falloir de nouvelles chaussures. Oui. Non, non. Oui, ça, si c'est pas piégé, si c'est pas... Voilà, c'était bien piégé comme il faut. Ça aussi c'est piégé. Allez, voilà. Non mais c'est bien, on devine. On devine, on s'amuse dans la joie et la bonne humeur. Ah, je suis un petit peu embêté. Mais un petit peu. Pas grand chose, hein, trois fois rien. Sérieusement? Sérieusement. Ah mais genre vraiment sérieusement. Je sais pas comment je vais le prendre en fait. Mon dieu, il m'a mis 3 de dégâts. Ah là là.
moment il décède. Parce que là il me met des caresses avec sa double hache. Voilà, là par exemple avec le end game, il a juste coupé un cheveu. Ouais, il est mort. Alors par contre, et je m'en... Dalin, merci. Il y a un truc que je vais... Non, je vais pas le faire maintenant. En fait, je voulais juste retourner ici. Mais en fait, je vais pas le faire maintenant, je vais le faire plus tard. Je le ferai plus tard, à la fin, quand on aura... Quand on aura battu les démons et autres... Et autres dragons de type méchant. Ah, des slades. Je t'ai à dire que Dana n'a pas le sens Putain, mais alors vous toi le petit magicien là, tu me débrises. Oh, ils ont une superbe voix. Slade vert, slade gris, slade gris. Non mais c'est bien, on a des couleurs. Ah ah, je suis hébété, mais c'était une feinte. Ah ah, vous êtes tombé dans mon piège, j'ai fait semblant de dire que j'étais mort. Dalin, c'est quand tu veux. Merci. Merci Dalin. Allez, vas-y Dalin. Allez, on tag. Allez, on tag team. Vas-y, tag team de la destruction et du chaos. Allez Dalin. Bouton des culs. Yeah. Vas-y, tape-moi en 5, mon pote. Donc c'était des slades. Des slades, de villes créatures de type magie. Qui sont des gros salauds. Donc en fait, là, ça servait juste à rien. Là, clairement, c'est une altation de... Ah, j'aime pas quand il y a plusieurs choix. J'aime pas quand il y a plusieurs choix. D'abord, je vais me reposer. Alors, on y va. On ouvre la porte. Yes. Donc là, je pense qu'il doit y avoir quand même des gens qui gardent. Hein, un champion golem de feu, par exemple. Non, même pas. Même pas. Ah, et ben non. Oh, même pas. Je suis déçu de l'accueil. Hein. Je pensais qu'on allait être reçu par quelqu'un, mais en fait, il n'y avait personne. Donc, oh non, je vais mettre un 3 sur 10. Non, la queue était pas terrible. Puis la déco est pas superbe. Hein. Les motifs sont un peu répétitifs. Je m'attendais à mieux. Non, ce sera un 2. Donc là, j'ai battu le géant. Mais, par souci de stratégie. Et vu que c'est le repère de Cloth. Que je dois tuer, que je dois ramener la tête et que je dois trouver la sphère et plein d'autres choses. Et ben. Et ben go. Ah, par contre là c'est très. C'est très linéaire. C'est tout droit. C'est, il y a un pont et tout droit, vas-y. Mais c'est un pont à épreuve sans doute. Ouh. Et ouais, je lis en. Voilà, un piège. Aïe! C'est un pont à piège. Très bien. Skip! Raté. Je me reçois aucun dégât. Alors là, il est censé avoir une porte. Ah mon dieu, c'est un S! Skip!
Ah, c'est le S de derrière. Skip. Oh mais c'est jet de réflexe. Salut. Je sais pas qui tu es, mais tu me fais atrocement peur. Si t'es le méchant. Attends. Merde, attends. Attends. Je peux pas sélectionner le piège. Merde. Ah, c'est. Ah. Attendez une seconde. Attendez une seconde, attendez une seconde, parce qu'il faut que je relise un truc. Faut que je relise le bouquin. Ah! Ah! Merde! C'est le boss de fin. Ah zut. Demi-tour. Demi-tour, on est allé un peu vite. Ah zut! Oh, c'est déjà la fin, je nous ai spoilé la fin! J'ai tout spoilé! Ah, je suis un gros connard! Oh, ce spoil de ouf! Ah là là, là, il y a des gens, ils doivent être choqués, déçus, ils ont spoilé! Spoiler! C'était pas bien! Donc du coup on va remonter. Non, non vous êtes. Non mais le jeu. Le... Pathfinding, où es-tu? Allô, le Pathfinding est demandé. Donc du coup on va aller aux cavernes profondes. Récupérer la sphère. Enfermer l'âme d'un dragon mort. Et ensuite, il se passera ce qu'il se passera. Basiquement.